aux frontières de la honte, on y voit le tiers monde. À terre ou entassé, passé au fer au bout du compte. C'est des hommes que l'on tente à creuser leur propre tombe. Vivement qu'on entende le son des cris de ceux qui sont aux frontières de la honte, on y voit le tiers monde. À terre ou entassé, passé au fer au bout du compte. C'est des hommes que l'on tente à creuser leur propre tombe. Vivement qu'on parle au passé des frontières de la honte. Le temps passe, les mêmes histoires s'entassent, mais rien ne s'efface. Toujours les mêmes qui s'enfoncent, toujours les mêmes qui boivent la tasse, fils. Ceux que les grandes puissances anéantissent sans cesse, des valises escassent en laissant souffrance et tristesse, inconscience ou dépendance à vouloir dominer. Le dénouement des peuples entiers exterminés, réduits en servitude, et actuellement ce n'est pas terminé. On pourra nous baratiner dans les études ou bien le JT, nous faire ingurgiter toutes sortes de conneries sur la colonisation et ses bienfaits. En d'autres termes, la mise en évidence de tous les crimes français, la stratégie de l'oubli forcé, un passé colonial passé sous silence, 400 ans d'extrême violence laissé dans l'indifférence. Tu sais ce que j'en pense, et c'est pour ça que j'appelle la France à un soulèvement de conscience. Ouais, ils se prennent pour des hommes, se traînent comme des ânes. Ils ont croqué la pomme et ne comprennent que par les armes. Ces quelques larmes viennent de couler de ma plume. Va savoir d'où vient cette amertume. Préparez-vous, mais surtout au pire, soyez au garde à vous et n'oubliez pas de mentir. Quand la presse vous interroge sur vos carnages de la veille, se les paye en première loge. C'est toute l'Europe qui s'assoit dans son fauteuil. Regardons les infos, encore un jour de deuil. Encore une barque échouée sur nos frontières. La dernière carte à jouer pour mourir fier. Combien sont-ils à tenter l'impossible, arpenter le bleu des plaines hostiles. Toujours est-il que le fossé se creuse jour après jour, siècle après siècle, et on en revient au point de retour. C'est l'histoire qui se répète sans cesse et sans fin comme ce refrain dans ta tête. Aux frontières de la honte, on y voit le tiers monde. À terre ou entassé, passé au fer au bout du compte. C'est des hommes que l'on tente à creuser leur propre tombe. Vivement qu'on entende le son des cris de ceux qui sont aux frontières de la honte, on y voit le tiers monde. À terre ou entassé, passé au fer au bout du compte. C'est des hommes que l'on tente à creuser leur propre tombe. Vivement qu'on parle au passé des frontières de la honte. Qui sont les vrais pauvres, qui sont les vrais riches? À ton avis, qui paye ses impôts en fraîche au cul de la péniche? Roi de la triche, indécent, méconnaissant les lois de nos matrices, faisant d'un criminel un innocent. C'est pile au centre que la vérité se dresse. Entre inégalité et dignité, on parle de maladresse. Mais on se fout de la gueule de qui, hein? Quand on maquille l'histoire à la gloire de ces marquis, à ces putes qui défendaient les colonies pour mieux pouvoir les piller par la suite avant de prendre la fuite, laissant derrière eux l'odeur du sang et du désespoir. Toute renaissance serait illusoire, tout le monde le sait, mais personne veut l'entendre. C'est comme un air de violoncelle joué sur des cendres. En France, il paraît qu'ensemble tout devient possible. Figure-toi qu'on peut même renvoyer Mohamed en Afrique. On lui donne une poignée de fric et bye bye, lui disant voilà pour tes funérailles, dernier épisode avant la fin de l'exil. Car promis à l'exode au sein d'une terre d'asile qui pue la camisole, nous on récolte ceux qu'ils s'aiment. Donc ma fierté d'être français vient de se noyer dans la Seine. Des continents laissés à l'agonie, qu'on a abonné de force à la défaite depuis le temps des colonies. Qu'on a pillé des esprits jusqu'aux mines, et à qui on demande aujourd'hui de payer des dettes illégitimes. Aucun état d'âme et pas d'estime, juste du fric sous les tables pour masquer les crimes. Et la place de la presse se confirme, nous informe, ou plutôt nous formate selon ses normes. Si on lit pas entre les lignes, j'hallucine. Aucun signe de compassion pour ceux qui saignent. Juste un thème de plus sur leurs antennes, des sous entassés sur la misère humaine. Et les Français éteignent leur télé sans que ça les atteigne. Et les Français éteignent leur télé sans que ça les atteigne. Aux frontières de la honte, c'est Monsieur ML.